Tolé, ses 175 habitants, ses maisons en pierre, son bar-tabac d'une autre époque, et bientôt ses 20 éoliennes, Dominique Carré-Tranche, il n'en veut pas. On aurait eu en fait une rangée d'éoliennes au-dessus des arbres sur une distance de 3 km. C'est inimaginable, quoi. Dans le bocage tel qu'il est préservé encore aujourd'hui, c'est détruire le paysage, c'est détruire... Alors, sans parler effectivement des dégâts qu'aurait fait l'installation des éoliennes dans le bocage lui-même, en fait. Le projet est lancé en 2012. Dominique Carré crée aussitôt son association Vent de Raison pour s'y opposer. Une autre habitante du village ne veut pas entendre parler de ces 20 éoliennes. Cette Belge a acheté sa maison la même année pour proposer gîte et chambre d'hôte. La seule chose qu'on a à passer à d'autres personnes, c'est la nature. Et si on nous enlève ça, on n'a plus rien. C'est terminé. Parce que même des gens comme moi ne vont plus venir ici pour investir. Parce que je vous dis, si j'avais su, j'avais jamais acheté cette propriété et fait les investissements que j'ai faits. Allié de poids pour les opposants, la préfète de la Vienne a refusé le permis de construire. Conséquence, le promoteur a fait un recours en justice. Le tribunal administratif doit rendre sa décision ce mercredi.